Il va falloir attaquer quelque chose qui est affreux. C'est terrible, c'est affreux. J'appréhende. J'appréhende. C'est dans ce trou de cheminée là. C'est le niveau que. Mais bon, j'ai pas le choix. Hein. Là, pareil, pour avoir les 100 pièces sur ça. Voilà. L'horloge tic-tac, je pouvais me raccrocher à 2-3 trucs. Là, non, bon, déjà, c'est bon, déjà, on repère. Il y a une étoile là-bas. Alors, pour la voir, par contre. Comment on monte là-dessus? Ça va être une histoire de timer, c'est ça. Bordel. Bon. Les pièces rouges sont là. Je sais que les pièces rouges là sont pas si difficiles. Et voilà, première mort, c'est bien, hein? Magnifique! Mon niveau préféré, c'est pas vrai. On va passer outre les pièces pour le moment. Mais... C'est ce qui s'appelle avoir le feu aux fesses. J'ai failli glisser sur le tapis volant. Ok. Là-bas, je sais pas comment on va y aller par contre. C'était quoi le nom de l'étoile déjà? Oh mon dieu, j'ai tué machin. Je sais plus comment elle s'appelle l'étoile. Bon, on va faire quelque chose. Mais je sais à peu près maîtriser, bien sûr, tout à fait. Hop là, ça s'appelle des pièces rouges. Ça, je les ai déjà repérées. Je sais qu'il y en a une cachée là. Elle est là. Mais Bobon, casse-toi. T'es pas appelé Bobby. Hein. Raté. Ok. Yeah.
On l'a vu, elle est en gros plan là, mais on va attendre un peu. Il y a celle-là. Je sais qu'il y en a une là-bas. Pour la voir, celle-là par contre. D'accord. Ça me va. Là, ça devient dangereux, là. Oh. Oh, il y a quelque chose d'intéressant, là. Voilà. Ah, mais... Attendez, on va se soigner entièrement. D'accord, Bobby a décidé de faire. Et il y a des pièces bleues. Des pièces bleues. Ok. Il y avait d'autres pièces bleues, mais alors, par contre, j'ai pas compris où est-ce qu'elle était. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six pièces rouges. Ah ouais, d'accord. Ah, ça passe. Et étoile. Écoutez. À voir, oui. Bon, c'est pas mal. C'était la troisième, les pièces rouges. Croisière sur l'arc-en-ciel, on y retourne. Bon, les pièces, on a dit, on verra après. Une étoile au fond là-bas aussi, on a repéré deux étoiles. Le tapis qui m'a fait bugger. Je sais pas, je vais aller par là, tiens. Il y avait d'autres chemins, je me sens pas à l'aise du tout sur ce niveau de toute façon. Continuons dans un monde de couleurs. Pour les avoir, c'est le bouffon là-bas, je comprends pas. Pourquoi comment les avoir? Non! J'ai glissé, chef!
Hop là. Ah, par rapport aux pièces, donc 16 de vitesse rouge. J'ai vu 2 fois 10 pièces sur les plateformes. Je pense que c'est 10 ou 10. On va dire 10. Oh mon dieu quoi. Pardon. Du coup c'est 20. Une vingtaine de pièces, on va faire encore ça, 25. Gauche ou droite? Je sais pas pourquoi. On va penser là, là, on va aller là. C'est quoi cette flamme? Non! Mais je suis... Déteste. Ils vont par ici. Toujours pas confiance. Hein. On va en bas, on va. Flamme. Ça fait peur. Oui, bonjour. Allez, monte, tapis, monte encore. Parce que là, c'est pas tout ça. Mais... Il fait exprès de pas monter comme il faut ou... C'est bon? Ok. Là y'a quoi? Une vie. On touche pas à la vie. Croisière arc-en-ciel c'était, donc ça veut dire qu'il va falloir aller sur le bateau. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Je me suis rattrapé là, je sais pas comment, mais je ne voyais plus rien. Plus rien du tout. Et là-bas, il y a 2 étoiles. Comment tu veux que j'ai accès? Qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur le bateau ou on tente autre chose?
un masque en plus là, tout pour embêter le monde quoi. Mais les autres niveaux encore ils sont un peu cohérents, il y a une petite histoire, mais là ils ont fumé les développeurs, je suis désolé. Non. Plateforme. Oh, gentil ça. Je comprends pas comment passer la chose. Et je comprends encore moins comment aller là-bas quoi. Un espèce de toboggan là. Quelle idée d'avoir vu faire ce Mario. Quelle idée. Et là, de nouveau, une catastrophe. Je vais garder la caméra comme ça. Ok. Allez, Mario! Et non. C'est la petite pente de la chose qui m'embête. Hein. On recommence, quatrième essai. Sans perte de vie, mais quatrième essai quand même. C'était juste...
Attends, on peut le faire sans passer par le tapis? Il y a quand même pas mal de perches et tout. C'est pas possible. Sans tapis, c'est pas possible. Hop, hop, hop. Ok, c'est bon. On va faire comme ça. Oh, il me faut une dextérité de, pour le faire sur le tapis, je le dis pas. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je pensais que ça montait encore. Manoir dans les manoirs. Je vais les passer les plateformes de verre moi. Donc il y aurait une étoile là-dedans, sachant qu'il y en a deux derrière. J'ai deux étoiles sur moi, plus deux là. Ça fait cinq. La dernière, elle sera où hein? Ça là-bas, je comprends pas. Je l'ai vu. Je me suis vu faire cette erreur. Mamma mia. Le tapis au poil. Poil du tissu du tapis. Peut-être maintenant on pourrait déjà être 30.
Et là par contre, qu'est-ce qui va se passer? Déjà il y a lui qui va m'embêter. Voilà. Et là je suis pas. Ça. Non mais c'est grand ce bâtiment. Il y a une étoile là-bas, c'est frustrant. Ok. Bon alors maintenant apparemment il y a une étoile là-bas. Faut pas que je me plante. Ce niveau il fait peur, mais en fait c'est surtout beaucoup d'attentes. Où faut rester sur le tapis caméra. Mon dieu, elle m'a fait flipper la caméra. Je vais me prendre des. Ouais. Je pense que j'aurais dû me cramer là, mais bon, c'est pas grave. Caméra. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Le tapis il tourne sur lui-même comme ça, il fait YOLO. Oh mon dieu, une étoile. Une vie, dis-moi qu'il y a une vie. Yes. Bon, on l'aura pas. Bon, la vie, c'est fait. La vie, bon, bref, la vie, l'étoile, tout. Hein. Combien? Ça fait 3 étoiles. Oh, 3. Il en reste quand même une que je vois pas où aller. Hein. Wah. Balançoire céleste. C'est ça là-bas. Oh oui, c'est ça là. Ouais, j'ai rattrapé le tapis au point. Hein.
27, 27 et 16 des pièces rouges, ça fait 47 moins 43. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire sur ça? On peut descendre? On va voir. Hein. On se casse. Et là, c'est ça. Alors, attendez. C'est ça, la balançoire? Elle est là-bas. Oh, j'ai peur. Oh mon Dieu, j'ai compris. Oh la vache. Et là, j'ai le choix entre les deux, c'est ça? Mais ça pareil, ça pardonne pas. Ça me fait penser au niveau sous-marin, le premier niveau aquatique où j'ai galéré. Bon, en même temps, il y avait l'autre qui m'embêtait. Mais... Goomba, tu fais quoi? Ok. Oh. Ça veut dire qu'il y a des crampons. Ça, oh mon Dieu, j'ai l'étoile. J'ai pas mouru. Ça fait 4, hein. Vicieux triangle. Et ça, c'est la vraie. Ok, d'accord. Je vois où c'est, vicieux triangle. Ah, rien que le nom, déjà, ça veut dire on en a pour une heure. J'ai fait une bêtise. Voilà. Mais non, je fais comment, moi? Ça va, je me suis sauvé les fesses, hein. Et là, mais il va me suivre partout, lui. Là, comment je vais? Le truc, c'est que c'est cette chose là qui me dérange. Bon, dans tous les cas, on est parti sur le même départ que l'étoile précédente. Masca, je suis en bas, s'il vous plaît. Yeah.
ça. Oui. Je peux encore passer au-dessus. Ok. Là, on attend. Il y a le fromage qui va se déplacer là. Tu tombes où? Ok. Caméra. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est ça? Une vie. Bon, bah, on la laisse passer, on fait peur tout. Et après, pour monter la perche. Il n'y a pas de choserie là? Vas-y. Allez, hop là, voilà. Ça pop ça? On prend bien. Ok. Voilà, et maintenant. Pourquoi je vois pas de... Comment je fais? Oh mon dieu, j'ai compris! J'ai compris! Je me suis totalement planté, mais j'ai compris. Bon, par contre, faut refaire le chemin. Après, faut arriver au triangle, c'est ça que tu vois. Hein. Dans ce cas, celui qui en va, merci. Voilà. Chaud, chaud, chaud. Oh mon dieu. Et je saute pas, mais c'est pas possible, hein. Bon, après, il y a une belle flamme qui m'attend. Hein, qui, après, c'est une, ça. Plus les triangles. Mais les triangles, je ne comprends pas. Hein. On les a pas encore approchés, les triangles. Mais... Rien que ça, déjà, ça me fait. Thank you.
Oui, mais ce cas, c'est de troller jusqu'au bout, quoi. Ok, et là, on attend. Dernière vie. Oh, oh non. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va attendre. On va attendre. Ok. Demi-tour. Non, j'y étais. Non, non, j'y étais. Game over. Oh, flûte. Okidoki. Ah, je suis dégoûté. Combien il y a d'étoiles en tout? 120. Là, hop là, petit. Il me manque 2 étoiles du monde arc-en-ciel, plus étoile des 100 pièces de l'horloge, étoile des 100 pièces de l'arc-en-ciel, donc ça fait 1, 2, 3, 4, et étoile des pièces rouges du dernier Bowser, donc il me manque bien 5 étoiles. Allez. Ça fait 2 heures, est-ce que tu t'es étiré? Oui, entre les deux mondes, je me suis quand même pas mal étiré, mais je vais le faire. Après ce fail qui va de nouveau y avoir, promis, je m'étire. Il m'inquiète un peu. T'inquiète. C'est que... oh non, le tapis. Ok, j'ai sauvé le tapis. C'est que voilà, j'avais dit que j'allais vraiment beaucoup galérer ces 2 derniers mondes, c'est le cas. Mais on est déjà à la moitié de stream. C'est jusqu'à 18 normalement. Il me reste seulement 2 étoiles sur ce monde-là. Alors sans compter les 100 pièces. Seulement 2 étoiles. Et l'horloge c'est fait quoi. Bon, à part les 100 pièces. Et après Bowser. Donc je suis en train de réfléchir, mais comment je vais faire, hop, 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 faire les 100 pièces. Ça m'embêterait de les faire dans le stream, parce que ça va pas être intéressant. L'horloge, je vois à peu près comment les faire maintenant. Alors ici par contre, il y a tellement de tout partout. Et mince.
Alors hop. Ok. Là c'était la panique. Hein. Tout le monde l'a vu, c'était la panique. Hein. On va attendre encore un peu de fromage. Ouais, cette espèce d'éponge jaune pour moi. Ok, à partir de là, c'est rude. Ok. Mon Dieu! Doucement, doucement. Y a pas eu de fail. Enfin si, mais bon. Oh le bordel! Une étoile. Bon, sans compter les 100 pièces encore. Oui, je m'étire de suite. Ah, caméra sur 20. Je trouve que t'as géré. Ah bon? C'était panique totale pourtant. Ah là 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 là. Bon allez. Dernière étoile là-dedans. À part les 100 pièces encore, j'insiste. Parce que vraiment, on va falloir se les taper. Hein. L'arc-en-ciel est au-delà. Au-delà. Attends. Arc-en-ciel est au-delà. Qu'est-ce que j'ai raté avec le tapis? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? C'est quoi cette étoile d'au-delà? Non, pas d'au-delà. Arc-en-ciel et au-delà. Ah, il y a encore. Là, voilà. Prends des risques. Alors, arc-en-ciel et au-delà. Donc tapis, donc forcément à droite. Donc j'ai raté un passage tout à l'heure. Enfin, j'ai eu un passage d'inattention. Là. Au-delà. Et là, je sais pas si c'est à gauche ou à droite. C'est là-bas. C'est cette caisse-là. Si c'est cette caisse-là, c'est vicieux. Manoir, je l'ai déjà fait. Ou alors j'ai raté un truc au manoir. Qu'est-ce que j'ai raté au manoir? Je vous lis, je sais pas ce qu'ils disent dans le chat, je sais pas du tout, je suis concentré là. Voilà, encore une fois les flammes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, si, c'est cette caisse là-bas. Au-delà de l'arc-en-ciel. C'est cette caisse-là, je suis sûr. Ah ouais, parce que là, je fais juste mon trajet de tout à l'heure. Allez, caméra sur 20. Thank you.
Là, je vais monter, je vais aller sur le toit. Je suis sûr que c'est la caisse que j'ai vue en bas. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une caisse isolée sinon? Ça, c'est juste une vie. Il se casse la gueule. Alors, attendez, parce que là, du coup, je vois plus rien. Là, il y a la cheminée. La cheminée là, ça veut dire que c'est dans ce sens-là. Alors, le chat, du coup, qu'est-ce que vous dites? Bravo, GG, merci, coucou Nino, comment ça se passe? Bah, étonnamment, je suis sur la dernière étoile de ce monde-là, l'horloge c'est fini. Alors, sans compter les 100 pièces, hein. Sans compter les 100 pièces, c'est vraiment la dernière étoile. Plutôt pas mal, un peu galère, beaucoup de chutes, c'est juste moi où il y a vraiment beaucoup de délai entre mon message et le moment où tu lis, je veux dire, plus que d'habitude. Le moment où je le lis, bah, en même temps, j'étais concentré, donc c'est normal. Oui, voilà, bah, Nino vient de le dire. Tu vois le délai sur le live quand le message s'affiche. C'est vrai quand tu parles? Bah non, c'est quasiment en temps réel. Bref. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente un suicide? Je suis sûr que c'est la caisse d'en bas. Dans ce sens-là. Allez, on va s'envoyer en l'air. YOLO! Ça passe? Non! Oh, j'ai touché ce que je voulais. C'est pas grave. Mais j'ai quand même touché ce que je voulais. Bon, alors, je pense vraiment que c'est la caisse qui est cette fichue étoile. J'en suis sûr. S'il faut, je me plante. Hein. S'il faut, je me plante royalement. Comme c'est Golem. Mais sinon... Je vois pas ce que ça peut être, j'ai eu peur. Une minute de délai en deux. Ah ouais, refresh la page. Change d'opérateur internet, qu'est-ce que c'est ? Il y a pas mal d'offres. Du fameux Black Friday sur consommation pour des offres internet. Il y a des offres intéressantes. Hein. L'autre qui m'attaque, quoi. Va-t'en. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et plouf. Ça fait des chocs à pic. Ah, d'accord. F5. Ah! Mon tapis! Et maintenant, je fais quoi? Tendu, hein.
Ok. C'est ça. Il y a du vent, ça doit être ça. C'est qu'une vie. C'est qu'une vie, c'était pas ça. Il y a un beau bombe par contre. Qu'est-ce qu'il fait là, le beau bombe? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attendez, j'essaie de réfléchir. Comment on accède aux bombes par le chemin des pièces rouges. Ok, j'ai. Vas-y, tombe. Ok, d'accord, très bien. Alors, on va dire se diriger vers les pièces rouges, même si on s'en fout un peu des pièces rouges en elles-mêmes, pour le moment. Enfin, pour le moment. Il y a déjà eu cette étoile-là qui a été faite. Mais il y a un beau bombe rose. Il est pas là pour rien. Peut-être qu'il peut nous donner de l'indice. Parce que là, la dernière étoile, je sais pas où elle est. Hein. Vraiment pas. Et voilà. Oh, mais c'est pas vrai. Mais non, mais... Changer la manette, je sais pas, faites quelque chose. Changer les mains sur la manette. Changer le cerveau aussi. Le nom de l'étoile, c'est Arc-en-Ciel et au-delà, donc le canon se semble un peu plus. Tu joues à la Solus ? On va voir Bobby. Et en fonction de ce que dit Bobby, et surtout de l'emplacement du fameux canon... Waouh ! Tu es mort ? Non. Alors... Wait. Oh non. Son passage à Bobby, il est là-dedans. Ça veut dire que j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. Les mains, je glisse, mais j'ai l'impression d'être dans un avion, quoi. Oh mon dieu, j'ai. Ah là, le truc gris, c'est un ascenseur. Salut l'ami, je vais te préparer un joli canon. Attends, c'est où ça? Où est-ce que c'est? C'est le bateau? C'était le bateau. Faut revenir au bateau? N'empêche, le Bobby, fallait le trouver. Hein. Fallait vraiment le trouver.
Là, du coup, c'est à gauche. On se redirige vers la première étoile. Va-t'en, la Kiku. Oh non, la flamme rouge, bleue. Elle est rouge, bien sûr. Elle est bleue, mais c'est pas grave. Ah, ça va. Je suis pas encore mort. Il va y avoir toutes les plateformes chiantes. Oh oui, va. Oh non. Alors, je vais rester en caméra comme ça. Ok. Saute! Saute! Maintenant, il y a du vent, quoi. Il y a quoi là-haut? Pourquoi il y a un mât? Canon. Oh là là. Mais non. J'ose même pas regarder ailleurs, je comprends que c'est là, mais... Y'a un boss? Ah non, c'est pas un boss, c'est un... Ne me touche pas! Non, non, il m'a touché! Il m'a tué aussi, quoi. Le machin violet, il m'a touché, quoi. On y était, hein, on y était, hein. Comment vous dites Mario Galaxy le prochain? Non, 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 non. Mario Galaxy, c'est le seul Mario, enfin Galaxy 1 et 2, ce sont les seuls Mario que je n'ai jamais fait. Mais vraiment, jamais fait, je les ai jamais touchés. J'ai juste vu un peu ce que c'était de loin. Salut Majiro. Mon frère a fait Galaxy 1 et je l'avais regardé vite fait, mais très rapidement, ça m'avait gonflé en fait. J'ai vraiment pas aimé et ça me donnait le tournis et tout, donc Galaxy plus tard, mais vraiment les prochains jeux, alors via Switch, ce sera clairement pas du Mario. Il y aura du Mario en février mars parce qu'il y a Mario 3D World, je sais pas quoi, Bowser pas content qui sort ou qui ressort du coup parce qu'il y a du inédit. Ça oui, ça sera fait. Du coup, c'est une info que vous avez en exclusivité, Breaking News. Mais non, non, je vais pas enchaîner de suite avec de nouveau du Mario. J'ai deux jeux à vous proposer sur la Switch, sûr et certain. Trois, en vrai, voilà. Je vais les faire, hein, mais... Hop là. Je me concentre en même temps. Hein. Il y en a un que je connais très bien. Un que je connais moins bien. Ça remonte. Et un plus récent, mais que j'ai adoré aussi. Mais que je connais C'est pareil, c'est une question de réflexe, mais il est très drôle. Mais voilà. Sachant qu'entre temps, j'aimerais faire de l'indé. Il y aura de l'indé de toute façon pendant les fêtes, hein, clairement. Il y a un jeu de Noël que je vais faire pendant les fêtes. Ce qui m'embête, c'est que la traduction française n'est pas assurée. Mon dieu, poil de tapis. Donc, va falloir que je baragouine en anglais. En mode traduction, qu'est-ce qu'il raconte, quoi. Il y a un jeu indé qui n'était pas prévu du tout et qu'il va falloir faire aussi parce que le développeur, comme je le disais, Ayaki Pon et Nino est dans le canal privé de l'équipe sur Discord. Il y a un développeur qui nous a envoyé un jeu, qui nous demande de le tester.
principe, j'ai envie de dire oui. Oh mon dieu. Mais le problème, c'est qu'il a l'air très bizarre. Ce donc, voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ok. Le retour de la vengeance du Bobomb violet. J'aime pas trop les graphismes de Galaxy en dos. Ah bon. Mais est-ce que tu... Ah, Mario Odyssey t'as bien aimé? Mais il se met à côté exprès! Il se met à côté exprès! Étoile, étoile, ne me touche pas, violet, ne me touche pas. Oh yes. Ah, du jeu que le... De... Bah oui, oui. Bah, on verra bien, hein, on verra bien. Bon. Il me reste 3 étoiles à avoir, c'est-à-dire les 100 pièces de l'horloge. Très frustrant de ne pas avoir les 100 pièces tout à l'heure. Les 100 pièces de la course arc-en-ciel. Alors là, je sais pas comment je vais faire. Et les 8 pièces rouges de chez Bowser. En vrai, je pense que les 100 pièces, je les ferai en off. Ou tout à l'heure. Mais on va faire Bowser. En tentant d'avoir les 8 pièces rouges. Je sais où sont les 3 premières, à peu près. Les autres, c'est plus vague. Je réfléchis un peu là. Et Harmony, est-ce qu'elle a une bonne mutuelle? Ah 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 ah, quelle blague. Je peux en citer d'autres du coup. Massif, MMA, etc. Je me permets une pause. Parce que là, on est quand même. C'est la fin, quoi. C'est Bowser, c'est. Bon. Voilà. Zut, il est pas dans un salon vocal. Ben non. Non, non. Sérieusement, si Mario Galaxy arrive, c'est pas avant un bon moment, quoi. C'est sauvegardé. Je vous mets un peu de musique et je vais faire une pause petit kawa, de l'eau, surtout de l'eau. Parce que là, c'est quand même la fin. J'ai besoin de juste de décompresser 5 minutes de toutes les plateformes qu'on vient de manger pendant 2 heures.